Les premiers témoignages confirment la version du Conseil musulman du Royaume-Uni alors que la police débute l'enquête. Il faut savoir que la mosquée de Finsbury avait fait l'objet de lettres de menace après les attentats de Paris en novembre 2015. J'ai vu 8 ou 10 personnes, des gens qui gisaient par terre, d'autres qui étaient emmenés par la police vers les ambulances ou des ambulances qui les emmenaient. Voilà, c'est ce que j'ai vu au tout début. Cette rue était très animée, notamment parce qu'il y a le Ramadan. Il y a beaucoup de gens dans leur mosquée, ils priaient, et en fait cela s'est passé au moment où ils avaient terminé leur prière. Ils sortaient de la mosquée et le van est arrivé sur eux, il a foncé sur eux, oui. La mosquée de Finsbury Park était connue au début des années 2000 pour être un haut lieu des militants islamistes de Londres.